J'appuie ce que la parole de Dieu dit que j'appuie. Donc j'agis. Yemba yemba yolele o. Yemba yemba yolele. Yemba yemba yolele o. Yemba yemba yolele. Tangwe kokito yemba. Yembe la masia. Tangwe kokito yemba. Yembe la masia. Yemba yemba. Voilà, on le fait.
Amen. Amen. Nous avons la grâce, comme je disais, cet homme que nous allons recevoir ce matin, il était destiné à notre église. Nous sommes quelqu'un d'autre qui les a invités. Et j'ai proposé, bien aimé, de passer de l'oratoire suisse sans passer nous voir. Avec son programme si chargé. Il s'est dérangé quand même pour venir nous ce matin. Sur la grâce, ça fait deux ou trois voyages que je suis allé en Suisse. Jamais. Ça a été la réciprocité. Aujourd'hui, je me suis dit, mais non, mais tu ne partiras pas sans bénir ton peuple. Amen. Amen. Alors, nous avons invité cet homme de Dieu, que j'estime beaucoup. J'espère bien aimé que tu ne sois pas déçu. Parce que c'est quelqu'un de bien. Amen. J'ai eu 5 à 7. J'ai été touché par la présence de la Saint-Esprit qui s'est manifesté dans cette prédication. Donc, nous allons nous préparer pour accueillir l'homme de Dieu, le pasteur. Nous allons l'acclamer pour la gloire de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis ravi d'être au milieu de Alléluia. Amen. Je remercie encore une fois le pasteur José de m'avoir accordé cette grâce. De parler devant cet auditoire. Je sais que, selon le conseil même, on ne s'est jamais dit, mais ce que je sais, depuis le dernier temps, le dernier temps, je vous avais vu quelque part. Vous êtes mes frères et mes soeurs, on est venus du même temple. Alléluia. On a même fait. Amen. Alors, c'est même la nage. Amen. La raison pour laquelle je ne serai pas un invité parmi vous. Amen. Mais je serai un frère parmi vous. Amen. C'est pourquoi j'ai amené quelque chose d'important aujourd'hui. Rien que pour vous. Amen. C'est vrai que je ne voulais pas prêcher parce que j'ai des programmes. Mais compte tenu le pasteur a assisté. Et c'est encore un péché de ne pas prêcher dans mon ensemble. Et je veux passer le dimanche le 15. Nous allons essayer de partager un peu ce que Dieu a mis à ma possession. Je dis encore une fois, je ne serai pas, comment dirais-je, je serai amené, c'est ça. Alléluia! Nous allons lire le livre d'Élie. On peut mettre des mots, s'il te plaît, pour lire la Bible. Maman, j'en suis là, et Dieu te bénisse. On peut lire pour lire la Bible, s'il te plaît. S'il te plaît, on peut mettre des mots pour lire la Bible. Il y a dans d'autres nations, quand on fait lever les drapeaux, tout le monde s'est mis debout. Notre drapeau, c'est la Bible. Il faut l'honorer, il faut le respecter. C'est ça qui est important. J'ai lu le livre de Luc 23, chapitre 23, versets 39 à 43. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : Ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et l'autre le reprenait et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons tous ceux qu'on mérite, nos crimes. Mais celle-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
verset 13. C'est ça qui est mon terme aussi. Hébreux chapitre 3, verset 13.
Parce que c'est moi qui connais bien votre mari. Comment il est, comment il se comporte, comment il pense. Même sa défaut, moi je connais. La raison pour laquelle la Bible dit, il a établi premièrement dans l'église les Éphésiens 4 ans, c'est-à-dire les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, tout ça, c'est pour la perfectionnement de cette envie du ministère. Donc on est là pour vous amener à la perfection. Or la perfection, c'est quoi? La perfection, c'est le simple mot pour moi, je dis, c'est la préparation de l'épouse du Seigneur pour voir son mari. C'est ça l'importance. Mais aujourd'hui, je vais vous parler sur aujourd'hui. J'ai donné Luc, chapitre 23, à 39. L'histoire des deux brigands qui s'y étaient ensemble avec Jésus. L'un injuria Jésus pour lui dire, toi qui disais tu es Christ, toi qui guérissais les malades, on a entendu, tu as même ressuscité les morts. Sauve-toi toi-même et sauve-nous ensuite. C'était un insensé qui disait ces mots. Mais l'un d'entre eux, l'homme qui était à sa droite, je pense, parce que la droite c'est la force. La justice, c'est que nous avons promis. Mais par contre, celle que tu injures, c'est un juste homme. Là où j'ai dit le frère a bien parlé, mais il a fait une erreur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comme Jésus connaît tout, Jésus répondit, aujourd'hui tu seras avec moi. Mais où? Dans le paradis. C'est ça mon problème. Aujourd'hui. L'homme a dit, souviens-toi de moi. Quand tu viendras, c'est au futur. Mais la réponse de Jésus, c'était au présent. C'est pourquoi j'ai dit, mon Dieu, c'est le Dieu des présents. Amen. Mon Dieu ne voit pas le futur. Parce que le futur ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je vais te prêter un peu la pensée de Jésus sur ces mots. L'homme disait, le futur vient. Mais Jésus savait, aujourd'hui, je vais ressusciter. Aujourd'hui, même quand je vais descendre, c'est-à-dire, mon souffle sera arrêté, les morts vont ressusciter. Amen. Mais toi aussi, tu seras mort. Mais si tu me dis en petit, donc c'est que tu ne me verras pas. Parce que les gens qui seront ressuscités aujourd'hui, on sera ensemble avec eux. Mais toi, tu me dis le petit, mais moi, je vois aujourd'hui. Amen. Jésus ne pouvait jamais dire, attends quand je viendrai, parce que Jésus savait, il ne viendra pas aujourd'hui. Jusqu'à présent, Jésus n'est pas encore venu. Ces types, il allait beaucoup souffrir. Je ne sais pas si c'était dans les saules avec des chalets, des malgrimes qui est là-bas. Jésus savait. Il a dit, non, tu ne vas pas rester longtemps là-bas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi. Mais aujourd'hui, quand je parle aujourd'hui, je vois, c'est la préparation, c'est les habits qui couvrent les futurs. C'est ça aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui n'est pas préparé, ton demain aussi ne sera pas bon. N'est-ce pas? Amen. La vie de l'homme est liée dans son aujourd'hui. Bon, écoutez-moi encore. L'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la vie des divines. Car demain, ou le futur, c'est le jour où tu mourras. Dis amen. Amen. Il n'y a pas de futur pour toi, mon frère. Ton futur est dans l'éternité, mais sur la terre. Thank you.
C'est ça qui est important. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Un jour, tu envoyas un prophète en Israël appelé Moïse. Ce qui me tombe. Quand Moïse était sur la terre, son fils est auprès de Moïse. Pour vous dire que l'homme est béni quand son aujourd'hui est arrivé. Tu peux gêner. Si ce n'est pas ton aujourd'hui, tu ne seras pas béni. Amen. Tu peux prier. Si ce n'est pas ton aujourd'hui, tu ne seras pas guéri. L'homme est guéri seulement quand son aujourd'hui est arrivé. La raison pour laquelle beaucoup disent, j'ai beau prier, Dieu ne m'attend pas. Dieu t'attend, mais l'attend ton aujourd'hui. Oh, mon frère, excuse-moi. Amen. Quand je bouge, ça me semble que tu vas. C'est ça l'importance.
chose un peu. Ce n'est pas mon sujet, mais je vais vous aider. Tu sais, Dieu, il a parlé sur les quatre êtres vivants, n'est-ce pas? Apocalypse 5, même les quatre êtres vivants, ce n'est que le ministère, le mystère de Jésus, ou le ministère que Jésus avait adopté pour agir. Il est un homme, il est un agneau, il est un aigle, il est un lion. C'est ça Jésus. Oh, le même être vivant, c'est ça même les empreintes de Jésus dans le corps des ministres. L'autre est passé ou tenté ou quoi, je ne sais pas, il est lion. Moi, je suis un veau. Je ne peux jamais être comme un lion. Quand je prêche, je vais prêcher comme un veau. Quand je parle, je vais parler comme un veau. Mais par contre, quand il parle, il parlera comme un lion. Amen. Cela ne dit pas qu'il est plus que moi. Non. Cela ne dit non plus que Jésus plus que lui. Non. Mais le problème, c'est quoi? Il a le grâce de Dieu. Moi, j'ai le grâce de moi. Je respecte mon analogie. Je respecte ma façon. Lui aussi, la sienne. Ne me comparez pas. Amen. 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 Parce que Wanazan Angouya, c'est faux. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ça le problème. Si vous comprenez ces choses, vous ne dissocierez jamais les fonctions des ministères. Chacun va travailler selon son analogie. C'est ça qui est important. Mais le problème, c'est quoi? Josué et Jénat, avec Moïse ensemble, il n'y avait pas de loi. Mais un jour, quand Moïse était mort, c'est que quand Moïse était mort, retenez ça. Dans les familles de Jacob, Jacob était prophète. Joseph aussi, prophète. Amen. Joseph voyait les songes, mais il n'arrivait pas à l'expliquer. Mais avant d'expliquer, il faut aller chez son père. Ah, je comprends maintenant, frère Paul me dit, tu n'as jamais dit, mais je t'ai parlé un jour, je lui crois. Il dit, mais je t'avais dit bien que c'est lui qui interprète, expliquant que c'est lui qui est prophète. Donc c'est que Jacob, il était plus. Joseph, son aujourd'hui ne devait pas être manifesté. Amen. Le problème, c'était quoi? C'était la déportation. Comme les vents. Quand on a vendu Joseph, Joseph a appelé. Un jour, j'ai rencontré mon frère Joseph, je lui ai posé cette question. C'est la même question que tu poses. Joseph, quand on t'a vendu, tu as vendu ton frère. Joseph m'a dit, oui, c'est vrai. Mais quand je suis arrivé, parce que j'ai compris la bouche, c'est moi. Je me suis fait pour venir. Alléluia. Amen. Mais quand Joseph déplace, c'est alors son aujourd'hui est arrivé. Alléluia. Amen. Quand Josué déplace, non pas Josué, Joseph, c'est alors que Joseph
N'oubliez pas, il ne pouvait pas interpréter parce qu'il était auprès de l'homme qui vivait son aujourd'hui. Parce que l'aujourd'hui de l'homme n'est que lui dans son genre. Les aujourd'hui ne se rencontrent pas pour les personnes. C'est pourquoi il s'est dit à la croix, l'être a dit son aujourd'hui. Aujourd'hui il sera avec nous. Mais l'autre, il n'avait pas son aujourd'hui. J'ai dit souvent, l'homme, l'aujourd'hui de l'homme, c'est le jour où tu étais sur la terre jusqu'à ta mort. C'est toujours dans ton aujourd'hui. Parce que selon lui qui parle, quand Jésus est venu, Jésus a dit ceci. Je suis venu du bien, il n'avait regardé rien. Mais depuis qu'il était parti, dès qu'il a passé, c'est une année, n'est pas encore arrivé à son frère. On est toujours sous la grâce, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est Jésus était fou ou pas? Lui a dit une année, 2000 ans déjà passé, mais une année là n'est pas encore brisée. Mais pourquoi? Non. Pourquoi tu as dit ça? Pour vous dire que chacun de nous, il vit seulement un seul jour. Peu importe ton âge, tu as toujours un seul jour dans ta vie. Peut-être Dieu voit ton âge, ce sont des tièges. Toi, tu vois des années, mais Dieu ne voit pas des années. La raison pour laquelle elle dit plus loin, 1 000 ans, c'est comme un jour. 6 000 ans est un jour. Et toi, tu as combien d'années maintenant? Et tu me dis, j'ai beaucoup souffert. J'ai fait, ça fait 40 ans, je ne vois lui. Oh, mais 1 000 ans, c'est une année. Toi, 40 ans, tu me dis, tiens, mais tu as toujours un jour là, demande-moi. C'est ça ton aujourd'hui. Oh, l'accomplissement de ton aujourd'hui, c'est la, la visitation de Dieu dans, dans ta vie. C'est pourquoi Hébreux 3 dit ceci, 13. Exhortons-nous aussi longtemps, nous disons, aujourd'hui. C'est pourquoi je vous en prie. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours de aujourd'hui. Josué a fait la gêne ensemble avec Moïse. Maintenant, le temps de Josué est arrivé. Dieu dit, Moïse, aujourd'hui, je vais te récupérer. Tu vas aller sur la terre. Mais établis Josué. Mais Dieu n'a rien dit encore une fois. Josué fut établi comme le guide d'Israël. Marche, alléluia, Josué, mon Jésus. Josué marchait avec son père. Mais lorsqu'ils sont arrivés auprès des Jourdain, Dieu dit à Josué, on peut dire ça. Josué 3, ce serait important. Josué 3. Yeah.
personne misait pour toi. Pour les biens de l'autre et de celui qui reste aussi. Mais peu importe la façon dont Dieu va essayer de te faire déplacer, cela ne te concerne pas. Mais le problème, c'est quoi? Il faut se soumettre à la volonté de l'Éternel. C'est ça le problème. Joseph ne savait pas, avec toute la promesse qu'il a reçue, qu'il sera la tête. Toute ta famille va s'incliner devant toi. Or, toutes les promesses grandioses que Joseph a reçues, mais c'est une surprise pour sa vie, il devient esclave. Quand est-ce que la chose, les choses est née? Je suis pris dans les pays étrangers. Je suis un esclave. Je n'en ai personne ici. Les parents sont loin. Je ne sais pas si je vais retourner encore. Dans les questions. Mais le problème, c'est quoi? C'est le chemin dont Dieu préparait pour la gloire de Jésus. Amen. C'est ça le problème. Dieu savait qu'en Égypte, il n'y en a pas une personne plus intelligente que toi. C'est pourquoi il a voulu envoyer Joseph. Comment je l'ai fait? Bon, il faut que j'envoie une intelligence, par une intelligence quelque part. Mais l'intelligence ne vole pas comme ça. Bon, c'est un truc de. Dans un homme. Comment je. Bon, c'est. Je vois ce Joseph. Oh, ma promesse, élévation est dans sa vie. Mais comment je peux le faire pour être élevé? Donc, je vais l'envoyer quelque part. C'est comme Jésus. Mais ça y est, l'attendait, Jésus venait dans sa voix. Il va guérir les maladies, il a fait ça. Il va libérer le peuple à l'esclavagisme. Mais ce qui était impossible pour Jésus de faire, de sauver les chalets, c'était impossible pour lui parce qu'il le savait. Je viendrai, je mourrai. Tu n'arrives pas à comprendre comment Dieu travaille. Un jour, tu vas dire, Dieu m'entend. Amen. C'est toi qui ne comprends pas comment Dieu. Joseph pouvait dire, oh, moi aussi je gêne. Mais comment seulement lui rempli de moi? Pas moi. Mais Joseph n'avait pas besoin de ça. Joseph savait que mon maître, c'est Moïse. Quand Moïse ne sera pas sur cette terre, c'est moi qui vais hériter le nom de Moïse. Amen, amen. C'est ça le problème. T'as appelé, tu vas aller où? Le problème, c'est quoi? Dieu sait là où il va t'amener. Il sait comment tu vas passer. Tu vas passer dans la maison de Potiphar. Après Potiphar, tu iras dans un prison quelque part. Cet homme arrivant à la prison, il commence à supplier les gens. Mon frère, il faut penser à moi quand il va sortir. Mais les dieux que nous prions, il ne utilise pas les gens parce que moi j'ai demandé. Il ne dit pas, va les bénir parce que j'ai été supplié. Mais Dieu bénit, guérit, trouve quelqu'un par lui-même parce que c'est lui qui a commis la guérison, l'élévation, la bénédiction. C'est lui-même qui a compris la chose. Ce n'est pas par mon effort
n'a pas la connaissance. Mon frère, si un sorcier vient te faire des mots, croquez-le, mangez-le. Tu as la possibilité de parler au sorcier. Parler cette possibilité. Mais le problème, c'est quoi? Les diables, les dieux mêlent les doutes, la paix en toi pour commencer à parler. Oh non, non, non. Ils sont forts, ils ne sont pas forts. S'ils étaient forts, toi, tu ne pourrais pas rester comme tu es dans cet âge, c'est mon frère. Ça fait longtemps, ils ne t'ont pas touché parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a une promesse pour ta vie. On est sauvé, gardé, protégé à cause de la promesse de Dieu. Quelque chose. On n'est pas sauvé parce qu'on est fort, non. Mais on est sauvé parce que la promesse des grands dieux du ciel est en toi, mon frère. C'est ça le problème grave. Le frère a demandé aujourd'hui. Non, il a demandé le physique. Dieu a vu aujourd'hui. Quand est-ce que tu vas me bénir, Seigneur? Quand est-ce que tu vas me visiter? Mais ces gens-là n'existent pas. Seigneur, j'ai sais. Quand mon aujourd'hui sera arrivé, inutile de prier, inutile de gêner, la chose viendra d'elle-même. C'est ça. La chose viendra d'elle-même. Mais prier, c'est jeter la semence. La prière, c'est de la semence. La parole, c'est de l'eau. Quand tu pries avec la parole, la semence prend vie. Amen. Il faut prier. Il faut gêner, c'est important. Avec la parole, tu seras fort. Mais ne pensez pas, à cause de ta prière, tu resteras quelque chose. Non. J'ai de la vie, mais. Bien. Je connais des gens qui sont beaucoup plus. Je ne pense pas que vous allez prier plus que vous. Là, je ne pense pas. Là, je dis, je ne pense jamais. Je ne peux jamais penser que vous. Vous, mon frère, je t'y peux pas. Quand même. J'ai dit non. Je suis si, j'ai dit non. Mais la chose que j'ai demandé l'autre fois, quand j'ai prié pour vous, je n'ai jamais réussi la chose. Mais quand le temps était arrivé, à cause de la semence que j'étais, qui m'a rendu fort, la chose est venue de moi. Je n'ai pas cessé, mais il m'a accroché près de moi. Parce que j'ai joué le mal pour appeler la chose qui est dans ma nature que Dieu m'avait promis. Amen. Ta promesse est quelque part. Attends, quand le jour viendra, tu seras. Parce que la guérison est auprès de toi. Amen. La vie est auprès de toi. La bénédiction est devant toi. Amen. C'est ça. Mais le problème, quand Dieu veut faire quelque chose, il ne demande pas les conseils. Il n'ira pas chez ta grand-mère pour dire moi, je vais bénir la vie. Dis-moi, comment il est? C'est ça. Ton problème, c'est. Moi, j'ai des fois. Il sait que tu as besoin de quelque chose. Si ton Dieu a besoin, Dieu va t'aider. Il faut dire amen dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Il ne te donnera pas parce que tu as beaucoup géré. Il ne faut pas.
penser que quand je plaire, je suis en train d'impressionner Dieu. Dieu n'est jamais été impressionné. On vous en a ma maman.
son est ressuscité. Ce que j'attends, c'est le repos. Oh, mon repos, c'est dans mon futur. Aussi longtemps tu vis, il y a de l'espoir pour ta vie. Amen. Aussi longtemps tu vis, il y a de l'espérance pour ta vie. Il ne faut pas résister parce que tu as beaucoup prié. Moi j'ai prié de 12h, de 19h à 7h. Rondo Sababa, alléluia, au nom de Jésus. D'ailleurs, non, à l'éternel de paix. D'ailleurs, mon bonbon, yeah, yeah. Oui, c'est bien, il faut prier. Mais la chose que j'ai demandé à l'époque, moi, c'est, je ne parais sûr. Mais après, comme j'ai déjà demandé, Dieu a déjà entendu, il cherchait le temps où la chose va devenir mise en moi pour le manifester. Les enfants de Dieu pensent Jésus, même Dieu, nous avons un Dieu magicien. Si je demande aujourd'hui, lui il fait ça. Je peux vous dire que ça. Mais si Dieu, tu demandes Dieu tes noms, c'est qu'il a vu en toi quelque chose de mieux. La chose que tu as besoin de mieux en toi, c'est pour être l'autre. Si la chose n'est pas mieux, il faut attendre le juger à son mûrissement. C'est ça. La patience est importante. C'est ça qui est important. Il y avait un frère en Angola, un pasteur, qui s'est fait appeler des scandales. Quel était cet scandale? Un frère s'est reconverti. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Dieu fait tout. J'ai rentré une jeune femme un jour. Le frère acheta des rangs de papier. Il ne pas les rangs au fond de l'île de Kwanza de là-bas. Il rend plus seulement petit balise. Seigneur, je vais prier. Ce papier n'est pas bon de le frère a bien fermé. Là, ils sont pas mis sur son mallette. Il met ça sous son lit. Les frères commencent à gémir. Oh Seigneur, c'est le Dieu qui bénit. Le Dieu miraculeux. Quel âge, quel mon papier, quel de l'argent. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, hey. Les frères ont prié. Quand le jour est arrivé, sans l'argent dans la poche, les frères sont partis. Apprêter des choses parce qu'il était trop sûr de lui que le papa est venu de l'argent. Il a commencé à emprunter des choses. Il emprunta, emprunta. Monsieur, le père, le frère, un déjeuner lourd de la vie. Un déjeuner lourd. Le frère mange. Parce que vous savez, Jésus des millions, Jésus des millions viendra. Les frères mangent, et c'est la foi. Mais papa, j'ai de la foi, je vais vous donner. Quand les frères sont partis prendre son richesse, en ouvrant, il a vu les papiers blancs qui les regardaient. Les frères, jusqu'à présent, il a disparu. Il veut que la bénédiction vive, prospère avec toi. C'est ça Dieu. Mais avant de te donner, il faut que tu deviennes humble. Mais il y a des cas particuliers où Dieu, dans les cas de guérison,
personne aujourd'hui. Josué, il ne vivait pas seul aujourd'hui. Mais son aujourd'hui dépendait à la mort de Moïse. Même Joseph, son aujourd'hui dépendait dans les séparations avec son père. Même toi, ton aujourd'hui dépendait de quitter la vie, de venir ici. C'est ça les bonnes. Tu verras que quand tu étais en Afrique, tu étais un frère ou une sœur normal. Vraiment, je te l'ai dit, normal, sans gloire. Quand on te voit comme ça, on ne voit pas la gloire. Tu sais si on ne voit pas la gloire. On ne voit rien de la gloire. On voit, c'est qu'il n'a pas la gloire. Mais Dieu t'a déplacé. Je disais à un il était fou de rock. Il a dit, mon frère, si Dieu fait des délits, partout où tu seras, ce sera un héros. Tu peux être à Kosovo. Si c'est là où Dieu veut que tu sois, tu seras béni là-bas. Ne cherchez pas de voir des gros immeubles. Non. Je connais un frère, un pasteur qui vient au Moussou. Donc il ne songe même pas de venir en France, mon frère, même en Suisse ou où. C'est un pasteur béni. Béni, mais à Moussou. Là où les gens fous. Rideau de fer. Mais pour lui, ce n'est pas un rideau de fer. C'est un rideau de soie. Les choses dures dans ta vie deviendront faciles quand les jours où l'Éternel a promis pour toi sera accompli. Toi, tu diras, ah! Alléluia. Amen. J'ai beaucoup dépensé de l'argent pour venir à l'Europe. Parce que beaucoup. Demandez à ton frère, il te dira. J'ai pris beaucoup d'argent. Mais quand le jour était arrivé, j'avais l'argent. C'est son frère lui qui me gardait mon argent. Et parce que moi, quand le jour est arrivé, j'ai un enfant. Je devais voyager en Grèce. Mais j'avais le passeport, tout c'était là. Mon frère, moi je vais voyager. Tu vas me chercher une question. Le frère m'a dit, c'est vrai. Je vais voyager. Tu as le visa? J'ai dit, mais pourquoi? Donne-moi les passeports. J'arrive. Il faut qu'on attende. J'ai pas besoin de donner ces passeports. Je me dis, donne-moi les passeports. Je remis les passeports à sept enfants. Après trois jours, j'ai eu un visa. Après deux jours, j'ai eu un visa. Cinq jours. Quand tout était prêt, mon argent était dans la même maison. C'est compliqué. Je suis allé chez un pasteur, un ami. Je lui ai donné seulement 200 dollars, j'avais raison. Il ne me reste pas là-bas. Le reste, ça fait un ami. Parce que j'ai laissé la police. J'ai eu 200 dollars. Quand j'ai vu ça en Portugal, là où on est déjà, là, si tu veux qu'il me l'envoie là, c'est difficile de passer en Portugal. Quand j'ai arrivé, j'ai regardé tous les guichets, j'ai vu un guichet. J'ai dit, ah, Seigneur,
pas moi. Ce n'est pas moi. Tout les mauvais du marché, les sorciers, je ne sais pas si c'est ma excuse à justice, mais je les jette dans les oreilles de ses frères. Alléluia. Je vous dis une chose, c'est vrai. Si tu es là, les païens ont Dieu. Les sorciers ont Dieu. Quand tu vois ici, j'avais été bien élevé, c'est-à-dire qu'ils sont aussi jamais toi. Tout ce qui est là, il va les arriver. Ça, le problème. Moi, je vais changer. Tu me fais des problèmes, mais c'est pas des toi qui avais dit avec toi. Un péché, mais je sais qu'il n'a pas de 20 jours. Mais aujourd'hui, j'ai été envoyé des témoins dans les deux années qui étaient forts. C'est ça qui est pas. Mais ça, les gens, mais c'est ça. Bon, les amis, dis-moi, c'est où, c'est où? Et me demander où est le lien d'Alie. Quand tu dis ça, où est le demeure des démons, n'est-ce pas les fois l'aimer? Mais c'est les des païens. Sont des lésiens d'Alie. Parce que le démon est l'homme. Dieu aussi est l'homme. Si je délivre mon père, où les démons iront? Il va chercher un homme des corps pour délivrer. Oh, le corps qui va chercher, c'est un homme. C'est pourquoi vous les sœurs, les frères, qui cherchent les femmes guéries, attention, vous aurez mis les démons dans ta vie. Parce que ce sont des démons gardés dans ce corps, des païens que vous faites. Mais le problème, ton aujourd'hui est important. Si aujourd'hui, c'est ton aujourd'hui, tu verras la vie. Si aujourd'hui, réellement, est le jour pour notre vie, la guérison sera donnée. Si réellement aujourd'hui, où Dieu fait te visiter, ta tête sera relevée. Un petit peu. Je pense que c'est à monter. Il y avait une sœur. C'est bon. Les Suisses n'aiment pas mettre au monde. Qu'est-ce qui s'est passé?
réfléchis, les Suisses, là, je les disais, vous irez en enfer, vous, les femmes, les hommes. Vos parents vous ont mis au monde et vous ne voulez pas mettre au monde. Vous marchez à la contre de la parole. Dieu dit, multipliez, vous remplissez. Et toi, tu dis, la conjonctée, vous irez en enfer parce que vous marchez à la contre de la parole de Dieu. Tous ces blancs-là, c'était comme ça. Et puis c'est votre problème. Mais l'importance, il faut connaître ce que Dieu dit. C'est ça qui va vous aider. La sœur, quand j'ai prié pour la sœur, m'a dit, oh, j'ai la joie. Parce que je sais, j'ai marié quelque part. Il faut avoir cette confiance que ta solution est quelque part. Ta réponse est quelque part. Peut-être que c'est quelque part, c'est aujourd'hui. Amen. Dieu va te répondre. Dieu va te donner. Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Dieu va te faire de toi ce que toi-même tu ne pensais pas être. Amen. C'est ça, Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec nous. J'ai dit aussi pour toi, aujourd'hui, ton problème sera résolu. Aujourd'hui, tu auras ce que tu cherches. Aujourd'hui, c'est la fin de toutes tes difficultés. C'est pourquoi je m'arrête ici. Je nous invite. Hallelujah.
Dieu va te toucher maintenant. Réaliser que ton problème, ta question, aujourd'hui, c'est la fin de toutes les choses. Aujourd'hui, c'est la fin de tes lamentations. Aujourd'hui, c'est la fin de ce qui te dérange. Soyez concentrés, chantez ces chansons. Chansons, je vais chanter. Si tu sais chanter avec moi, tu ne sais pas. Soyez concentrés. Et moi, alléluia. Oh,
S'il te plaît, et ta mère en haut, toi qui es assis, en toi debout. Saint-Esprit, mon frère, ma soeur a besoin de toi. Saint-Esprit, c'est toi qui as dit dans le temps de la fin, le peuple s'est enseigné de toi. Et c'est toi qui vas guérir toutes nos maladies, tous nos problèmes. C'est toi, Saint-Esprit, qui vas nous donner. C'est pourquoi je laisse cette assemblée, mes soeurs, mes frères, entre tes saintes mains, dans le nom de Jésus. Let's go.
Touche, touche, au pêche.
Parce que son plaie, à partir d'aujourd'hui, il ne va plus pleurer. Merci, Saint-Esprit. Ses pensées ne seront plus comme auparavant. C'est un homme joyeux. C'est ça, ta vie, mon frère. C'est ça, ta vie, mon frère. C'est ça, ta vie, mon frère. Par le bain de Jésus-Christ. Par le bain de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Parce que sa vie, aujourd'hui, c'est la clé de la sécurité. Je vous en prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
vous avez la fin à vous donner pour donner les annonces. Et dimanche 22 juin, nous avons la réunion d'équipe de l'organisation et journée de louange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre fils. Je vais demander au pasteur Yves de nous bénir encore une fois de plus et de construire l'église. Je sais comment la voix de l'Éternel sait accueillir les hommes de Dieu. Amen.
il a votre disposition. Si vous voulez vous inspirer. Amen. Amen. Que la parole de Dieu dit que je suis. Je sais que la parole de Dieu dit que j'ai. J'appuie ce que la parole de Dieu dit que j'appuie. Donc j'agis. Yemba yemba yoléléo. Yemba.